Bonjour, dans cette séquence vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez gérer la catégorie de votre établissement en ajoutant des sous-catégories et évidemment en ajoutant aussi des espaces de cours. On va aller à l'université là où je suis affecté. Donc, par exemple, l'université de Carthage. Au niveau de l'université de Carthage, nous allons choisir l'établissement. Donc, au niveau de l'établissement, je vais aller à l'Institut supérieur de gestion de l'Isère. Au niveau de votre établissement, vous avez tous les droits, évidemment, de créer autant de catégories et autant d'espaces de cours. En fait, les catégories, qu'est-ce que ça veut dire des catégories? Qu'est-ce que ça veut dire des sous-catégories? Là, en fait, je vous ai présenté un exemple. Au niveau de l'établissement, on peut créer la catégorie licence appliquée en marketing et la catégorie licence appliquée en comptabilité. Au niveau de la catégorie licence appliquée au marketing, je peux créer une sous-catégorie étant donné qu'on est en deuxième semestre. Donc, nous allons créer une sous-catégorie qui s'appelle deuxième semestre. Au niveau de cette sous-catégorie, nous allons créer trois cours, par exemple, ou bien un cours. Chaque cours, par exemple, le premier cours est appelé aptitude antique, deuxième cours, maths 2, et troisième cours, langue. Donc, on va essayer de faire ça ensemble. Donc, je vais copier l'appellation de la catégorie. Je vais aller à l'établissement et je vais cliquer sur la gestion ou bien gérer cette catégorie. Donc, voilà. Donc, l'affichage de la catégorie apparaît. Donc, au niveau de cette catégorie, je vais cliquer, je vais ajouter une sous-catégorie. Donc, je vais aller vers Ajouter une catégorie. Donc, moi, je vais vérifier évidemment l'emplacement parce que j'ai plusieurs droits. Mais vous allez trouver directement l'établissement, votre établissement d'affectation. Donc là, je vais vérifier en fait l'établissement où je vais placer la catégorie en question. Je vais aller à l'Université de Carthage et à l'Institut supérieur de gestion de l'Isère. Et je vais mettre le nom de la licence. Et par la suite, je vais cliquer sur Créer cette catégorie. Voilà, donc normalement la catégorie vient d'être créée, elle est là, donc licence appliquée en marketing. Au niveau de cette catégorie-là, je vais créer une sous-catégorie qui s'appelle deuxième semestre. Donc je vais aller vers Ajouter une catégorie. Je dois toujours vérifier l'emplacement. Donc, je vais choisir l'Université de Carthage, l'Institut supérieur de gestion de Bizerte et licence appliquée en marketing. Et là, je vais appeler donc deuxième semestre. Et je vais par la suite cliquer Créer la catégorie. Donc, au niveau de la catégorie deuxième semestre, nous allons ajouter un cours qui s'appelle Aptitude antique. Donc, je vais cliquer évidemment sur Créer un cours. Voilà, donc là, je vais mettre le nom, l'appellation du cours et le nom abrégé du cours. Et là, je dois avoir en quelque sorte une appellation spécifique à mon cours pour ne pas avoir évidemment plusieurs cours qui portent le même nom abrégé. Voilà, donc le cours est bien créé au niveau de l'Université de Carthage, l'Institut supérieur de gestion et la licence appliquée en marketing, et plus particulièrement au niveau du deuxième semestre de cette licence.
Si j'ai terminé, je vais cliquer sur enregistrer et revenir. Donc, à ce moment-là, j'aurai la possibilité d'avoir un cours qui est au niveau de la catégorie en question. On va vérifier ensemble. Donc, voilà, donc le cours aptitude antique, il est en deuxième semestre de la catégorie de la catégorie licence appliquée en gestion de l'Institut supérieur de gestion qui appartient à l'Université de Carthage. Voilà, donc c'est la fin de cette séquence. Je vous remercie pour votre attention.